monsieur, mesdames, messieurs, ici vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous occuper. Vous aimez la cuisine, j'ai de quoi faire. C'est très vintage, mais c'est très tendance. Vous aimez le jardinage, j'ai aussi de quoi vous occuper. Venez, venez, ici vous trouverez de tout. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir mes belles bibles. J'en ai pour tous les goûts. J'ai des bibles lourdes, pour les musclés. J'ai des bibles arc-en-ciel, pour ceux qui sont fiers d'être ceux qu'ils sont. J'ai des bibles à bon marché pour les fauchés. J'ai des bibles à tranches dorées, pour les amateurs de bibles. J'ai des bibles à gros caractères. Alors, pas celle-là. C'est pas celle-là, j'ai des bibles à gros caractères pour les bibles, je vous le dis, en stock. J'ai des bibles en braille pour les aveugles. J'ai des bibles en BD pour les amateurs de manga. J'ai des bibles en papier recyclé pour les écolos, j'ai des bibles à customiser pour les ados, et j'ai des bibles saintes pour les sacrés. Tout à 10 balles où je remballe, venez acheter de quoi vous occuper. Bah pour une fois, tu entends bien. On fait ce qu'on peut. Tout à 10 balles où je remballe, venez acheter de quoi vous occuper pour être tranquille, pour prendre du bon temps, pour que votre cerveau se taise et que vos mains soient occupées pour combler le vide. Il vend quoi l'autre, le voisin là, mais des bibles, j'y crois. Approchez, approchez, qui que vous soyez, j'ai la bible de vos rêves. Une fois ouverte, vous ne pourrez plus la lâcher. Nuit blanche garantie, vous allez frissonner. Vous allez trembler, vous allez pleurer, vous allez vous émouvoir, sourire et rire, oublier de nourrir les poissons rouges, de sortir le chien, de regarder vos écrans, d'arroser vos plantes vertes. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de culte de rentrée, temps de culte commun à nos 6 paroisses de la dynamique mulhousienne. Une bienvenue toute particulière aux catéchumènes et notamment à celles et ceux qui commencent cette année leur parcours. Nous voici rassemblés pour ce temps de culte, et voici, le Seigneur est au milieu de nous. Nous voici rassemblés pour dire nos convictions, et c'est une parole étrange qui nous rassemble, une parole qui ne vient pas de nous, une parole qui vient de loin dans le temps et l'espace. La parole d'un Dieu qui s'est fait connaître en Orient il y a milliers d'années. Une parole discernée, balbutiée, transmise, mêlée aux mots, à l'histoire et à la culture d'un petit peuple pour se mêler aux mots, à l'histoire et à la culture de chaque peuple de la terre. Une parole qui se mêle aux mots et à l'histoire de chacun de nous. Nous voici à la découverte de cette parole, comme à la découverte des autres, en route avec nous. Et je vous propose de prendre ensemble le premier chant de ce dimanche matin. Venez le célébrer. Thank you.
mon bon monsieur, venez chez moi. Je vois votre air intéressé, votre œil pétillant, votre paupière frémissante de plaisir anticipé. Venez, nous allons trouver ensemble la perle qui fera de vous une huître sans égale valeur. Mon bon monsieur, que vendez-vous là? Avec une telle marchandise, il est impossible de faire des affaires. À qui croyez-vous pouvoir vendre vos vieux bouquins? Monsieur, ce n'est pas tout à fait comme vous dites. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir ici des personnes pour acheter mes Bibles? Acheter des Bibles, le livre le plus passionnant du monde, à un prix très compétitif. Non, mais vous avez bien, moi, acheter une Bible? Non, mais sérieux, vous m'avez regardé? Et que voulez-vous que je fasse de ça? C'est pour les réacs, vos trucs, peut-être même pour les intégristes. Et puis, aujourd'hui, plus personne ne lit de livres, puisque nous avons la télé et Internet. TF1, Arte, Netflix, YouTube, TikTok, bon, comment vivre sans tout ça? Permettez-moi de vous arrêter, et pardonnez-moi si je vous parais légèrement grossier, mais je me permets d'affirmer que vous faites une fâcheuse erreur. Aïe, 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 voilà qu'il essaye de convaincre l'autre qu'il est dans l'erreur. C'est pas une très bonne méthode de vente, hein, franchement. Hein. Vous n'en avez aucune idée, monsieur. En France, 1 million de Bibles sont imprimées chaque année. Toutes langues confondues, dans le monde, on en imprime 30 millions chaque année. Si on les empilait l'une sur l'autre, on ferait une tour de 1500 km de haut. Si on les couchait, on arriverait jusqu'à Madrid. Pouvez-vous en dire autant de vos bricoles ici? Et puis j'ai des Bibles en langue étrangère. Vous trouverez sur mon stand des Bibles en plus de 50 langues. Parce qu'il faut penser européen aussi, monsieur. Ou bien, parlez-vous peut-être de chinois? J'ai une Bible en chinois pour vous. Oh, vous auriez dû ouvrir un resto ou un bistrot. C'est cela que veulent les gens. Mais une Bible, bon. Posez-vous la question d'ailleurs, pourquoi personne ne vous en achète de vos super Bibles? Il y a peut-être une raison à cela. Les gens ont déjà tous une Bible, parce que la Bible est précisément le livre le plus répandu au monde. Je vous l'ai déjà dit. Moi, j'aimerais bien voir cela, franchement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une ou plusieurs Bibles dans leur maison? On aimerait faire un sondage à peu près. Devra lever la main pour dire que j'en ai une ou plusieurs. Ouais, quand même. Bon, j'ai rien dit. Baissez la main, c'est trop. Ah, bon sang! Vous n'aurez pas vu si je n'avais pas vu. Tant de Bibles! Ah, c'est quand même un livre important, alors. Mais vous savez, leur Bible doit traîner à la maison quelque part. Ils ne doivent pas s'en servir. Les gens aiment lire des revues, des romans d'aventure ou d'amour, des choses passionnantes, des choses qui prennent, mais non pas des figures un peu sèches, et peut-être même ringardes. Seigneur, depuis les temps anciens, à travers les pages de la Bible, tu fais retentir une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, des idoles que nous nous créons, de notre égoïsme, de notre orgueil, de tout ce qui nous sépare de toi et des autres. Pardonne-nous lorsque nous n'écoutons pas ta parole, lorsque nous ne la vivons pas, lorsque nous l'enfermons dans des habitudes au lieu de la laisser nous interpeller et nous transformer. Seigneur, depuis les temps anciens, à travers les pages de la Bible, tu fais retentir une parole claire pour nous pardonner. Que ton pardon nous atteigne au plus secret de nous-mêmes,
qu'il nous rende vivants et disponibles pour toi et pour les autres, nos frères. Amen. Mon bon monsieur, voyez, la Bible n'est pas juste un objet, c'est une parole vivante. Hein ? Absolument. La Bible, c'est un livre qui évolue avec vous au fil des années. Ce n'est pas un roman que vous allez lire une fois et puis le ranger. Non, ce livre, vous allez y revenir, vous allez y penser. Il va vous accompagner comme une nourriture, il se renouvellera chaque jour, il ne s'épuisera à aucun moment. Oh là 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 là! Vous allez un peu loin, non? C'est quand même, c'est la crise. Il y a des nourritures hyper importantes. D'ailleurs, regardez, moi j'ai du pain. On vit avec du pain, franchement, hein? Vous voulez quand même que les gens se privent de nourriture et tout ce qui est important pour votre bouquin? Non mais, flûte, enfin, on a besoin de temps en temps de manger, quoi, et de manger bien, et de festoyer, faire la fête, parce que, franchement, la vie, c'est pas toujours simple, hein. Donc, c'est important de prendre des temps pour nourrir son cœur. Et franchement, il faut combler son besoin de vide. Achetez mes affaires, quoi, venez, franchement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quoi ? Ben si. Il vivra de pain, certes, mais il vivra aussi d'amour et d'amitié, de pensée, oui, de pensée, de réflexion, de couleur et de joie, de rencontre et d'affection. Vous avez dit plusieurs fois le mot amour, non? Franchement, si vous croyez qu'en vous répétant et en faisant vos litanies et vos chapelets de mots et de belles intentions, vous allez être percutant, franchement, vous n'avez pas fait de grandes écoles de commerce, vous, hein? Monsieur, vous avez raison. Ce livre parle d'amour. Et je pourrais le dire 10 fois, même si cela vous gêne. Amour humain, amour divin. Amour divin qui devient humain par amour. Vous avez un problème avec l'amour ? Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Bon, allez, filez-moi donc un de vos bouquins que je puisse voir par moi-même. Très bien, monsieur. Alors, vous la voulez comment ? Oh non. La petite de poche ? Tout le temps avec vous. En bleu. Bon caractère. La version illustrée. Ah, c'est accessible. Voilà, un peu moins transportable. Version recherche. Oui, des notes de bas de page. N'hésitez pas, j'en ai pour vous, je le rappelle. En anglais. Voilà, vous pouvez regarder. N'hésitez pas. La version The Bible, avec des petites notes pour des jeunes en particulier. Traduction plus accessible. Non, traduction littéraire ici. Traduction parole de vie plus accessible par ce langage. Choisissez. Allez, la moins chère. La moins chère, ah, la Bible à 1,50€, l'original avec les maudits d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous faites une réduction, elle est un peu abîmée. Allez, monsieur, même, je vous l'offre.
Alors bonne journée, monsieur, et vous allez voir, bonne vie à vous. Vous aussi, venez acheter mes Bibles, messieurs, dames. Regardez comme elles sont belles, mes Bibles. Approchez, approchez, n'hésitez pas. Bon, ben, j'ai plus qu'à regarder. S'il vous plaît, dites-moi, vous n'en auriez pas... J'ai la Bible magnifique avec sa tranche dorée. J'ai la Bible Bayard des écrivains. N'hésitez pas, choisissez la toute petite, discrète pour celui qui n'assume pas. N'hésitez pas. Nous assumons et nous confessons notre foi. Je crois. Je crois dans la foi que Dieu m'offre le cadeau de la libération et une vie de liberté qui s'ouvre ainsi devant moi. Je crois que je peux aller où je veux et quand je veux, que je peux emprunter les chemins qui me semblent justes et bons. Je crois que j'ai la liberté de conscience, de croire, de penser, de m'exprimer, de chercher et même de me tromper et de le reconnaître. Je crois que, quoi qu'il advienne dans ma vie, quels que soient mes choix, Dieu est miséricordieux et il pardonne. Je crois que je suis libre, je suis moi. Je n'appartiens à personne et ne suis dépendant ni esclave de rien. Je crois que Dieu est là, mystérieux, invisible, qui me comble par sa présence. Je peux l'aimer en toute confiance et accueillir la vie de lui, de son amour. Je crois que par la foi, je reçois la liberté d'espérer, de me laisser guider, de devenir moi-même adulte, responsable, de me tenir debout devant mon Créateur, lui qui me tient dans ses mains de Père et qui m'adopte comme son enfant désiré et aimé. Je crois que par l'amour et la grâce de Dieu, je suis libéré du poids de ma colère, de mes souffrances, de mes larmes et mes peines. Libéré, je peux m'ouvrir aux autres, découvrir et vivre avec eux la liberté chrétienne, qui est de servir librement Dieu et mes frères et sœurs humains. Amen. Et je vous propose de chanter le deuxième chant de ce dimanche matin, « Seigneur, tu nous appelles ».
Sœurs et frères, on a entendu parler de la Bible, mais on n'a pas encore entendu la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais vous proposer d'aller un peu dans ce paradoxe encore plus, puisqu'il n'y a pas de lecture biblique avant la prédication comme d'habitude. Elles vont être incluses dans la prédication. Parce que nous savons tous que la parole de Dieu, alors notamment celle qui est contenue dans l'Ancien Testament, elle a d'abord été racontée de génération en génération, autour du feu, enfin, ça c'est un peu mon imagination, par celui qui les avait gardées en mémoire. À l'époque, le soir, il n'y avait pas de télé, de tablette ou de téléphone pour tromper l'ennui. Alors le peuple d'Israël, j'imagine assez bien, avant le coucher du soleil, pouvait se retrouver autour du feu où on faisait à manger pour partager ensemble l'histoire de Dieu avec leur peuple. C'est ce qu'on appelle, vous le savez probablement presque tous, la tradition orale, que l'on retrouve encore dans diverses parties du monde. Sauf que chez nous, et notamment en Europe, la tradition écrite a supplanté les histoires autour du feu. Si vous allez dans les bureaux des pasteurs, ou bien dans leurs liseuses numériques, vous trouvez un nombre incalculable de livres. Notre collègue Olsola Goodboob cherchait à se débarrasser de 36 cartons de livres après son ministère de plus de 40 ans. C'était qu'une infime partie de ses livres, hein, par exemple. Nous recherchons, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des informations géographiques, historiques sur nos moteurs de recherche, sur nos téléphones, mais on n'exerce plus à retenir notre mémoire pour les connaître. Qui connaît encore son numéro de téléphone ? Ah, les jeunes, ils connaissent, c'est bien. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais intérêt à connaître le numéro de mes parents pour les appeler s'il y avait un souci. Et en vieillissant, je me suis rendu compte, c'est sur le téléphone, donc plus besoin de le retenir. Nous nous racontons parfois des histoires, maintenant par écrit, notamment, alors moi j'aime bien citer Instagram, il y a des communautés qui se forment autour de valeurs partagées par l'écrit. La transmission, elle a changé de forme. On est passé de l'oral à l'écrit. Et pourtant, moi, je retrouve cette tradition orale des temps bibliques dans ma vie de pasteur. Je la retrouve notamment avec les enfants lorsque je leur raconte une histoire du Godly Play. Et cette histoire, elle a une saveur particulière parce que la pédagogie du Godly Play, c'est-à-dire du Montessori à la sauce religieuse, on va dire, elle nous demande tout simplement de nous mettre en cercle. Et le Temple Saint-Jean, il est super pour ça, vous êtes quasiment tous en cercle, hein, un petit peu. On est assis sur des coussins, on est confortable, on est dans un environnement plein de beaux objets en bois et on est entouré en fait des récits de la Bible, sous forme d'objets, mais on est entouré des récits de la Bible. Et on commence seulement à lire l'histoire, même pas à lire, à raconter l'histoire quand j'ai vérifié que tout le monde est prêt pour cela. Et on demande à chaque enfant, est-ce que tu es prêt là à écouter une parole de la Bible ? Et puis les enfants, ce qui est un peu nouveau, pour ceux qui racontent des histoires aux enfants, en général, on a l'habitude de nous enseigner qu'on doit regarder l'auditoire. Et bien, dans le Godly Play, en fait, on invite nous-mêmes, celui qui raconte regarde les objets, et les enfants regardent les objets. Et on ne regarde pas seulement des objets, on regarde la parole de Dieu se faire réelle devant nous, en fait, pour aujourd'hui. Et puis la beauté aussi de cette pédagogie du Godly Play, c'est qu'on termine toujours par les quatre mêmes questions. Je me demande ce que tu as préféré dans l'histoire. Je me demande ce qui est important dans l'histoire. C'est pas pareil, ce qu'on a préféré et ce qui est important. Et je me demande ce que je peux enlever dans l'histoire et quand même avoir toute l'histoire. Et puis on demande aux enfants, moi je me demande où tu te sens dans l'histoire. À aucun moment, je vais demander aux enfants s'ils ont bien retenu tout ce que je leur ai raconté, s'ils ont bien identifié les personnages. En général, ils l'ont fait de toute façon. Mais je vais leur demander de se positionner face au récit biblique. Et je leur demande d'entrer en relation avec l'histoire racontée pour voir en quoi elle fait sens avec eux pour aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup ce moment-là. Parce qu'ils redécouvrent l'histoire autrement et je suis moi-même souvent émerveillée de leur réflexion. Et c'est justement en racontant une histoire qui fait sens pour nous
qu'elle peut aussi faire sens pour les autres. Et souvent, parce que cette histoire, elle refait sens pour les enfants, et ben elle va refaire sens pour moi aussi. Parce qu'à chaque histoire que je raconte aux enfants, et pourtant je les connais, hein, les histoires que je raconte, la parabole du fils prodigue, ou Jonas et la baleine, ou... qu'est-ce qu'on a raconté d'autre ? Les prophètes, on a raconté Adam et Ève, enfin voilà, c'est des histoires qu'on connaît tous. Mais sauf quand on les re-raconte, je redécouvre toujours un nouvel aspect du texte. Alors, oui, chers catéchumènes, je crois qu'ils sont là, hein, pas mal, hein, puis un là-bas. Je peux comprendre vos réticences ou vos peurs face à la Bible que vous allez recevoir. Je ne sais pas si Jean-Mathieu a choisi The Bible cette année. Non ? Ah, parce que celle-là, c'est un gros pavé. Hein ? Ah, c'est Parole de vie. Il vous a pris un truc audible. Elle est plus petite, en plus, elle fait moins peur. En tout cas, c'est quand même un pavé de plus de 1000 pages qu'on va déposer entre vos mains. Alors, Harry Potter, ça se lit bien. La Bible, d'un seul coup, ça se lit quand même un peu moins bien. Il faut l'admettre. Et puis, peut-être que vous allez ressortir du caté avec un seul verset que vous aurez retenu. Peut-être. Ou peut-être vous repartirez avec une histoire de Jésus qui vous a marqué. Et je vais me faire remarquer. Peu importe la quantité de connaissances bibliques avec laquelle vous allez repartir, ce que nous espérons d'abord vous transmettre, c'est au-delà de ce qui peut se quantifier, se compter, s'évaluer. Il n'y aura pas d'évaluation au caté, il n'y aura pas de notes, que ce soit en ABC ou en 0 sur 20, ou je ne sais plus en comment on note. Ce que l'Église, elle veut vous transmettre, c'est le goût d'écouter la parole de la Bible, de la laisser résonner en vous, de chercher à savoir ce qu'elle veut vous dire dans telle ou telle situation. Et c'est toujours mieux si vous le vivez avec d'autres. Parce que quand Jésus, il enseigne aux disciples, il se met au sommet d'une montagne dans l'évangile de Matthieu, vous allez le découvrir, ils s'assoient tous ensemble, et Jésus, il leur parle de sel et de lumière, de richesse dans le ciel, des petits oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Jésus, il ne va pas entretenir le mystère juste pour le plaisir de le faire. Mais il avait bien compris, comme le meilleur communicant de tous les temps qu'il est, qu'on n'a pas besoin d'un cours de théologie pour entendre la parole de Dieu. Mais on a besoin d'abord, en tout cas en premier, d'une histoire qui lie notre quotidien à Dieu, d'une histoire qui nous laisse libres de faire fonctionner justement notre imagination. C'est ce qu'on aime dans Harry Potter, on imagine la scène, même s'il y a des films depuis. La parole de Dieu ne se donne pas comme une recette à suivre, comme un règlement intérieur, comme un mode d'emploi. Elle se donne à travers une parabole avec Jésus, à travers le récit d'une tribu en Israël. La Bible nous parle même du pardon, de la vengeance, de la violence, du pouvoir, à travers l'histoire de Joseph et de ses frères. Et je crois que nous aussi, et particulièrement en ce moment, on a besoin dans notre quotidien d'espaces libres où nous pouvons nous raconter, écouter l'histoire des autres, leurs interrogations, leurs peurs. On n'a pas besoin de réponses théoriques, on a besoin de faire fonctionner notre intelligence collective, d'échanger les uns avec les autres sur la parole biblique qui nous porte à certains moments. Et ça, on peut le faire dans un espace libre et structuré. Libre parce que celui qui va animer, que ce soit un pasteur ou pas, il n'a pas un ordre du jour à faire respecter, une liste de concepts à vous partager prédéfinie, sans lien avec ce qui est dans votre quotidien. Mais c'est aussi quand même structuré par celui qui l'anime et par celui qui veille à faire circuler la parole et à relever ce qui est vécu chez cette personne et qui touche à l'universel. Toucher à l'universel, ça veut dire retrouver ce qui se cache dans chaque être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, enfin, voilà, toutes ces différences. C'est toute la beauté des paroles, des paraboles de Jésus, de ces petites histoires qui nous parlent de graines de moutarde, d'une femme qui recherche une pièce, d'un homme qui attend le retour de son fils. Elles nous parlent à tous depuis plus de 2000 ans. Malgré l'avancée de la technologie, des systèmes politiques, du féminisme, de tant d'autres choses, Jésus nous parle et parle à tout ce qui nous rend humains au-delà de ce qui nous différencie les uns des autres, à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Jésus parle à ce qui fait de nous des humains en capacité d'être en relation avec Dieu.
Parce que moi, je crois, je suis persuadée que la parole de Dieu dans la Bible se révèle à chaque fois qu'elle nous met en relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, c'est bien beau ce que je dis, mais comment les pasteurs et personnes engagées dans l'Église vont pouvoir vous faire aimer la Bible et vous donner presque envie de lâcher votre BD pour aller quand même lire un peu la Bible? Alors on va essayer, je ne dis pas qu'on va réussir, on va essayer, de vous proposer des espaces libres et structurés, justement, lors des retraites de caté. Et je vous invite juste à conjuguer, enfin, j'ai dans l'idée qu'on essaie de conjuguer, lors du catéchisme, 10 verbes. Et ces 10 verbes, ils prennent ancrage, justement, dans la Bible. Le premier verbe, c'est « exister ». Quand vous regardez les récits de guérison dans la Bible, Jésus dit souvent « lève-toi, prends ton lit et marche ». Ça, c'est dans Jean 5, l'évangile de Jean. On sait tous qu'il est dur le matin de se lever pour aller au collège, de quitter le confort de la couette et du sommeil pour affronter l'ennui, le savoir, les relations amicales parfois compliquées. Et pourtant, avec ce mot « exister », nous voulons nous rappeler chaque matin que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous permet d'exister. Et ça peut se traduire, alors du latin, littéralement, par se tenir debout, hors de soi. La parole de Dieu, elle nous fait exister. Elle nous rappelle à tous que notre vie, elle est précieuse, quel que soit ce qui peut nous arriver de bien ou de mal. Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin les uns des autres, que nos différences, elles vont nous enrichir. Et pour exister devant Dieu, nous sommes invités à prendre le temps de le connaître, à sortir de nos préjugés, de nos images de Dieu pour aller justement à sa rencontre dans la Bible. Et puis le deuxième verbe, alors le premier c'est exister, le deuxième verbe c'est échanger. Dans l'évangile de Jean, on lit « Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu ». La parole dans l'évangile de Jean, c'est une manière de parler de Jésus, de son arrivée dans le monde. Jésus, il parle, mais pas seulement, il agit beaucoup par des guérisons. Il parle rarement dans le vide. Chaque parole rapportée dans la Bible de Jésus, elle est riche de sens. Et Jésus se sert aussi même de la parole pour dialoguer avec ses adversaires, les pharisiens, qui ont justement peur de sa liberté de parole. Et justement, ce qu'on essaye de vous offrir, c'est que le catéchisme, ce sera un lieu pour découvrir les opinions, les pensées des autres, pour les confronter aux siennes, pour prendre conscience que par le dialogue, on peut évoluer. Discuter, ça permet aux idées d'avancer, de s'enrichir, et ça permet de grandir. Alors, suivre Jésus, c'est croire au pouvoir de la parole, de la vérité qui se révèle dans nos mots. Et puis le troisième verbe que j'ai choisi, c'était « pardonner ». Dans l'évangile de Matthieu, on lit « Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Notre vie est faite de joie, de bonheur, mais aussi de blessures, de disputes, d'épreuves dans la vie. Quand l'autre m'a fait mal, j'ai pas spécialement envie de pardonner, hein, sincèrement. J'ai plutôt envie de me venger. Enfin, ce serait le mouvement naturel qu'on va avoir. Pourtant, Dieu nous demande d'essayer quand même de pardonner. Ça prend du temps, c'est pas évident, mais Dieu nous demande d'être sur ce chemin du pardon pour repartir libérés de ce qui nous a offensés, et non pas emprisonné par une blessure mal cicatrisée. Et puis le quatrième verbe, c'est s'accepter. Au collège, il n'est pas toujours facile de se trouver sa place dans un groupe d'amis, avec les amis, garçons ou filles, dans sa relation avec ses parents ou ses frères et sœurs. Quand on est au caté, c'est l'âge où on se cherche. Et ce qui peut nous aider, et c'est souvent ce qui est ressorti des entretiens que j'avais fait avec les catéchumènes, sans révéler du tout ce qu'ils m'ont dit, mais il me disait, au caté, on se sent bien, on arrive à trouver notre place. Qui qu'on soit, qui qu'on soit. Et quand vous serez au caté, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est que vous aurez l'assurance d'avoir un lieu et un temps où chacun aura sa place.
quelles que soient ses qualités et ses défauts, quelle que soit sa taille, la marque de ses vêtements, ses goûts musicaux, enfin, toutes les différences possibles, parce que par le baptême, comme à Jésus, Dieu nous redit, alors soit si vous avez été baptisé petit ou si vous allez l'être après le caté, « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, je mets en toi toute ma joie. » Jésus et Dieu nous redisent, nous sommes des êtres uniques, chacun peut trouver sa place, au caté, au collège, dans la famille et dans le monde. Et puis le cinquième verbe, c'est réfléchir. Quand on demande à Jésus pourquoi il parle en parabole, il répond d'une manière étrange, et il le fait dans plusieurs évangiles. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient autour de Jésus, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Et Jésus leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous pouvons réfléchir, on n'est pas seulement guidés par nos instincts, et nous pouvons réfléchir à ce que dit la Bible, la société. Devenir chrétien, ça signifie réfléchir à ce que je fais, à ce que je vis et à faire des choix en conséquence. Et la Bible, justement, nous donne des outils pour apprendre à discerner comment faire le bien et s'éloigner du mal. Alors à nous de nous laisser changer par la parole de Dieu pour qu'elle nous montre le chemin de l'amour. Par ces paraboles, Dieu nous invite à l'imagination et à la réflexion. Parce que si tout nous est donné dans la bouche comme la béquille aux petits oiseaux, c'est parfois un petit peu trop facile, elle nous paraît tellement facile qu'on n'y croit pas vraiment. Jésus, il aime bien nous faire réfléchir. Et puis le sixième verbe, c'est être relié. Dans l'évangile de Jean, on lit « Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Nous sommes reliés à Dieu, chacune et chacun, mais aussi à une communauté de croyants, à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, à celui qui est notre prochain, c'est-à-dire celui dont on s'approche pour lui tendre la main, pour lui parler. Nous sommes reliés à chaque fois que nous faisons preuve d'hospitalité, aussi les uns envers les autres. Et le septième verbe, c'est se reconnaître comme enfant de Dieu. Dans la Bible, on lit de nouveau, « La parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfant de Dieu. » Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Les parents, nos parents, nous transmettent la vie, mais nous sommes aussi enfants de Dieu. Et on peut tous devenir des enfants de Dieu et grandir en sagesse, en responsabilité, en capacité d'amour et de service. Et puis le huitième verbe, c'est vrai qu'il arrive un peu à la fin, mais c'est la prière. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, on lit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et ce qu'on aimerait vous faire découvrir aussi au caté, c'est qu'il y a différentes manières de prier selon nos sensibilités, par la parole, par le chant, par le geste, par le silence. L'important, c'est de laisser de l'espace et du temps dans sa vie pour se mettre en présence de Dieu. De sa parole. Et puis le neuvième verbe, c'est s'engager. Et pour ce verbe, hier, on avait le synode de l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, et on a eu la chance d'écouter avec les collègues et les laïcs qui étaient là, la présidente de l'Alliance réformée mondiale, qui est une femme pasteur du Liban, et qui nous a rappelé que ce que peut apporter l'Église au monde, c'est de se battre pour la justice et la paix. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous repartager le psaume 84, qui nous parle justement
de la justice et de la paix. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel, se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Et hier, cette présidente de l'Alliance réformée mondiale nous rappelait la toute petite action qu'on peut faire, elle est déjà super. Elle nous rappelait qu'elle est donc pasteur au Liban, vous savez qu'il y a eu la guerre en Syrie pas loin, et elle a essayé dans sa paroisse d'accueillir des enfants pour leur donner une éducation, des enfants syriens. Et elle nous racontait qu'au début, sa communauté, elle n'était pas spécialement motivée pour ça. Elle avait peur de ce que les enfants syriens pourraient faire dans la communauté protestante, enfin, ça dérangeait un peu le confort. Et elle nous a dit, mais on a quand même tenu bon et on a essayé en accueillant 2-3 enfants au début. Et elle nous disait, à la fin, il s'en est développé 6 écoles maintenant chrétiennes qui accueillent des enfants syriens au Liban. Et elle nous disait, n'ayez pas peur de faire la plus petite action possible. Pareil, hier, le représentant de la ville de Strasbourg nous disait, à Strasbourg, ils vont accueillir 350 réfugiés afghans. Elle nous disait, ça peut paraître petit face à tous ceux qui voudraient partir d'Afghanistan, mais elle nous a dit, ça déjà, c'est déjà un petit signe de justice et de paix aussi pour eux. Et alors, ce qu'on aimerait vous donner comme envie, c'est de s'engager justement, même avec un tout petit geste, pour combattre le mépris, le racisme, la violence, l'injustice. Parce que là où Dieu nous place, chacun peut trouver les forces pour lutter contre ces maux. Alors que Dieu fasse toujours de nous des combattants de l'amour, avec la petite cuillère, c'est-à-dire la plus petite action possible qu'on peut faire, ça peut déjà amener un petit peu, vous savez, il y a l'histoire là, de la goutte dans le vase ou des choses comme ça. La plus petite goutte, elle peut emmener vers une grande rivière. Et puis le 10e verbe, c'est rêver. Rêver, parce que le caté, ça va être clairement ce que vous allez aussi en faire. Ça va être à la hauteur de ce que vous allez aussi avoir envie de vous y investir. Ça peut être un lieu de discussion, un lieu d'histoire, un lieu de bricolage, de doute, de réflexion, d'affirmation. Tout comme le monde, en fait, ça va être aussi un peu ce que vous en ferez. Alors, est-ce que vous avez envie, j'espère, de faire l'expérience de ce temps et de cet espace qui va vous être offert? On va aller à la découverte, la parole de Dieu, mais aussi de nous-mêmes, et on va le faire tous ensemble. On va approfondir notre relation à Dieu. Et puis j'ai pensé aux plus de 15 ans, ici même, il y en a pas mal, et il est toujours possible de mettre un catéchisme pour adultes en place dans la dynamique mulhousienne, pour offrir un espace libre et structuré, voilà, à ceux qui en auraient envie. Et alors je ne parle pas d'une étude biblique, elles existent toutes déjà et elles sont super importantes pour ce qu'elles sont, mais je parlais plutôt d'un endroit où on peut justement se raconter une histoire de la Bible qui a fait sens pour nous et puis partager ensemble autour de nos réalités. Et j'aimerais juste terminer par un verset de l'évangile de Matthieu, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen.
donne juste un autre départ, Patrick. Tu nous redonnes la note de départ et vous démarrez. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies, comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous te prions. Pour ces jeunes qui démarrent un chemin en Église, qu'ils et elles se sentent accueillis et accompagnés en ta présence. Seigneur, nous te prions. Pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions. Pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions. Pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Fais de nous aussi des compagnons de route auprès d'eux. Seigneur, nous te prions. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils qui a tracé dans ce monde déchiré, un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu
pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous nous adressons à toi pour te dire d'un même cœur et d'une même voix cette prière qui fait de nous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'amour de Dieu, que la parole de Jésus-Christ et que la paix du Saint-Esprit vous accompagnent sur le chemin où vous marchez, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.